Morning. Looks like we're lost. Depends which way you're heading for. Right now you're halfway between Gaspé and Murdochville. Yeah. Well, actually, we're looking for some friends of ours, American. They're supposed to be out here hunting in this area. Bear hunting? That's right. Well, there's a real fine spot for bear this way. Maybe your friends are there. Is that all clear? You two stay here for about half an hour. Meanwhile, I'm gonna circle around the dump, post myself on the other side, see? Just give me enough time to hide myself. What do we do then? Well, you walk towards the dump. Talk loud, make as much noise as you can. And then, mister, I'll take care of it. Something out there. I'm sure of it. Do you see anything? Not a thing. Listen. Sure heard something too. Half an hour's up. Time to go. I can taste that bear steak already. Thank you.
Yeah. Man, I feel dizzy. I feel faint. Oh, I did it. Est-ce que t'as, Coffin? Ça fait longtemps que ça dure? Non. Oh, je vais aller voir. Are you free? Up on Quebec. Vous prenez un taxi, vous n'avez pas d'argent. Je peux vous offrir des cigarettes, ma boîte est pleine. Je fume pas. Je ne peux pas te payer parce que... je viens de me vendre une prison. C'est cette histoire-là. Vous avez jamais vu ma photo dans les journaux? J'ai pas des clés de maison. Je suis Coffin. Wilbert Coffin. Wilbert, à quelle heure t'es arrivé de Val-d'Or? 7 heures, 7h30, juste après le souper. Avec ça, je pourrais pas montrer mes concessions aux deux experts. Ben, tu sais que ça pouvait pas attendre. Ils comptent sur toi pour les recherches. Tu connais le coin comme le fond de ta poche. J'ai quand même manqué ma chance. C'est vous qui allez s'occuper de l'enquête? Oui. J'en reviens aux Américains. Gaspé avec le jeune. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mangé avec eux. Après ça, je suis parti. J'étais obligé de laisser mon camion plus loin parce qu'il y avait trop de boue. Mm-hmm. Bon. Et? On va-tu manger du steak de chevreuil cette année? Vous savez bien que le garde-chasse m'a pris ma carabine le printemps passé.
Hey, Pete, arrête donc, je vais aller pisser. Want a smoke? Thanks. We're only going to begin to figure this out when we found the two other bodies. Yeah, I guess so. What you say? J'ai dit, on va peut-être commencer à comprendre quelque chose. Oui, bon, ben, laisse donc faire. D'accord. And you, are you in on the search? With the garage, I don't have any time to go chasing after Americans. Tried prospecting like your brother here. You'd have more free time. Hey, Wilbur, sit down and have another beer. Bernie, give me some change. I gotta make a phone call. Sure thing, Bert. Hold on a minute. Quand est-ce que papa va revenir? Je sais pas. Peut-être la semaine prochaine. Oh. Tu as des voir? Oui. Maman, j'ai un beau petit morceau, on va aller coucher. Maman, ça va mettre. Une belle vase. Oui. Comme ça, j'ai bien une voix de rose, le goût de parler. Je m'ennuyais. Est-ce que le fils est couché? Non, non, il est juste à côté de moi, là. Ton père. Allô? Allô? Je sais jouer du piano. Oh, j'ai hâte d'écouter ça. Quand tu vas venir? Pas tout de suite. Je suis en Gaspésie maintenant. T'es en train de construire la maison? Oui, c'est ça. Ça coûte cher les téléphones de Gaspésie. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Tu vas mourir? Oui. Ça va assez la prospection? Oui, on est presque fini. Je m'ennuie de toi. Moi aussi. Je t'embrasse partout. Dis-moi pas ça, tu vas me rendre fou. C'est ce que je veux. Okay. Bye bye. Bye. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Monsieur Gamache, apportez-nous donc deux cafés. Pas pour moi, mademoiselle, merci. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles préoccupé. Si on veut avoir des résultats, il faut absolument envoyer quelqu'un à Gaspé. Tu peux me croire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un rapport de Gaspé. Le sergent Bourdon est allé dans le bois avec Coffin hier. C'est pas compliqué. Bourdon fait comme si c'était pas un suspect. On dirait que c'est un de ses amis. Suis ton idée. Envoie quelqu'un d'autre. Quelqu'un de Québec. Tu peux renvoyer le capitaine Forgette. Si Forgette n'était pas responsable de toute la division criminelle, ce serait facile. J'ai beau être assistant du procureur général, je peux pas lui donner d'ordre comme à un enfant. Mon cher,
Forget, sait comme toi puis moi que le Premier ministre veut que ça se règle, puis rapidement. Il va se faire forcer la main, mais il va accepter. À qui est-ce que t'as pensé comme procureur de la couronne? Je veux pas un Gaspésien. Je veux quelqu'un de calibre, quelqu'un de Québec. J'ai confié l'affaire à Dion. Excellent. Avec Dion et Forgette, nos problèmes sont réglés. Je l'espère. Bon, salut. Il faut que je te quitte. C'est ça, demain. Sébastien, appelez le bureau du Premier ministre. Dites que j'ai des bonnes nouvelles à lui donner au sujet de la Gaspésie. Capitaine Roland Forget de la police provinciale. Bourdon, es-tu là? Il était prévenu de votre arrivée. Un instant, je vais aller le chercher. Bonne idée. Chef, c'est le capitaine Forget qui vient d'arriver. Si vous êtes une fidèle officier de la famille canadienne, vous vous souviendrez que nous avons l'habitude de temps à autre de faire un petit tour de vocabulaire dans le dessin. Vous pouvez bien avoir une idée. D'améliorer notre langage et d'être en mesure de nos enfants. Coffin. Ils ont été tués, c'est des Américains qui ont fait le coup. C'est pas les Gaspésiens. Coffin a peut-être été un vague complice dans l'affaire, mais ça me surprendrait que ce soit lui qui les aurait tués. Tu te bases sur quoi? Il n'y a pas un maudit Gaspésien qui est assez fou pour tuer trois Américains. Ça fait 13 ans que je travaille ici. Je les connais. Oui. Des fous, il y en a partout. Un gars a beau être fou. Allô? Hein? Je suis le capitaine Forget de la police provinciale. Sergent Bourdon est là, mais c'est moi qui mène l'enquête. Où ça? Dites à tout le monde de toucher à rien, j'arrive. Pour les détails, je vous passe l'agent Bennett. Bennett. Ils viennent de découvrir les deux autres cadavres. Bon. Ça bouge pas de là. Allô? Vous allez arrêter Coffin? Ouais, aujourd'hui. Capitaine Marois, police provinciale. Bonjour, capitaine. Mon nom, c'est Newman. Pete Newman, de la police de Moncton. Oui. C'est à propos des Américains qui ont été tués chez vous. Là, vous trouvez coupables, vous autres aussi? Non, c'est pas ça. C'est qu'à la radio, il parle de deux autres Américains. Je les ai vus, moi aussi. J'étais avec mon frère. C'est quoi encore votre nom? Newman. Pete Newman. OK, je vous écoute. À la fin du mois de mai, j'étais à l'hôtel Walter à Gaspé. On a parlé avec un Américain qui s'en allait à la chasse à l'ours. Enfin, ils étaient deux. Il y a des Américains, ça pleut à Gaspé. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Ces deux-là avaient une Jeep. Ben, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que c'était une Jeep jaune rafistolée, comme celle qu'on a parlé à la radio. Mm-hmm. Je pense que mon frère et moi, on pourrait vous décrire ces deux hommes-là. Bon, écoutez, donnez-moi donc votre numéro de téléphone. Si jamais on fait des recherches dans ce sens-là, on ira vous voir. Ça fait longtemps que je suis pas venu à Montréal. Une ville de fou. Moi, je mangerai un steak. On va aller manger un gros steak chez moi. Mais c'est quoi encore son nom, la bonne femme à Coffin? Patterson,
Maureen Patterson. Mmh. On va te la travailler, la Patterson. Oui, monsieur. Puis à deux, à bord de ça. Je sais pas si ça peut t'intéresser, mais juste avant de partir, j'ai reçu un téléphone du Nouveau-Brunswick. Ah oui? Ouais. Peut-être que Coffin ne ment pas. Le gars dit qu'il a vu deux Américains à Gaspé puis que leur Jeep était jaune. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que Coffin, lui aussi, dit qu'il a vu deux Américains puis avec une Jeep jaune. Ben, il faudrait peut-être les rechercher. Hey, j'ai besoin d'un coupable, pas deux. Puis je suis sûr que c'est Coffin. Et je vais le prouver à part de ça. Ouais, il y a aussi que j'ai reçu un rapport sur Payne, le père. Ouais, il faudrait pas trop en parler de celui-là. Pourquoi? Ben, d'après la police de Pennsylvanie, il y a pas mal de monde qui aurait pu vouloir le tuer. C'est pas un ange. Comment ça? Bon, il avait toujours quelques mille piastres sur lui. Il prêtait de l'argent, hein, 10% par semaine. Puis il gênait pas pour frapper quand ça payait mal. Oublie donc ça, Marois. Il est mort de toute façon. Occupons-nous plutôt de la petite Maureen. Il est arrivé à quel âge chez vous? C'est difficile à dire. Ah. Voulez-vous un autre petit rhum? Oui, tiens. Peut-être me rafraîchir les idées. Merci pour l'avoir. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ben, étiez-vous debout? Dormiez-vous? Oui, je dormais. C'est ça la surprise. Encore ta roche. C'est pas agréable, pérenne. Embrasse-moi dans la classe. C'est du cuir. S'il y a 2 ou 3% là-dedans, on est riche. Espèce de fou. Penses-tu que ça va m'acheter un manteau de fourrure? Bien sûr. Un big cattle avec toi. Pas pour oublier la machine à laver? Ah, est-ce qu'on va faire ça? Télévision. Grande maison. Ben, un diamant. C'est ça que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fou pareil. Maureen, on devrait se marier. Qu'est-ce qu'il y avait comme bagage? Il y en avait un maudit paquet. Qu'est-ce qu'il y avait? Faut-tu que je vous nomme tout ça? Ouais. Nommez tout, ça va aller mieux. Il y avait 2 sacs de couchage, il y avait une scie. Un pic, il y avait une bêche. Aussi, il y avait du manger. Mais je me souviens pas de tout. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il y a une affaire que je me rappelle. Il y avait une petite boîte en carton. On est allé dans la cuisine, puis il a mis ça sur la cuisinière. C'est qu'il y avait dedans? Mais est-ce que c'est une pompe à essence? Où c'est qu'il l'a mis? Je sais pas. Mon frère le sait. Je pense que c'est lui qui l'a prise. Quelle sorte de carabine qu'il y avait? La carabine. Il me semblait que c'était un grand amateur de chasse. Il aimait beaucoup la chasse, mais il n'y avait pas de carabine. Il n'y avait pas un grand étui. Quelque chose qui aurait pu contenir une carabine? Non. C'est curieux, ça. Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y avait pas de carabine? Mais je vous ai dit non. Ça fait 10 fois que vous me posez la question. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous devez avoir autre chose. Ah. C'est pas facile. Ça fait plus d'un mois de ça. J'ai pas de mémoire de défunt. Il est quelle heure? 1h15. L'avais-tu encore pour longtemps? Non, ça sera pas long, ça achève.
Ben, je me rappelle, parce que j'ai demandé où est-ce qu'il avait pris ça. Il y avait des jumelles et un couteau. Qu'est-ce que c'est, le couteau? Un canif, là, comme les scotons, avec des instruments après. Des jumelles puis un canif. Oui, il m'a dit que les Américains y avaient donné ça, souvenez, comme ils avaient aidé pour leur camion. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il s'est laissé à la maison. Il a son chez ma cousine parce que mon fils jouait toujours avec, puis je voulais pas qu'il brise. Ah oui. Où c'est qu'à demain, votre cousine? Elle habite dans le coin, pas loin de chez nous. Bon, ben, on va aller chercher ça, hein? Ben, ça n'a pas de bon sens. Adore, hein? Venez. On y va. La vallée? Oui, c'est moi. Torgette. Coudon, dormais-tu, toi, là? Ah, c'est pas grave, capitaine. Il fallait que je me lève. J'ai quelque chose d'important à dire. Ouvre bien tes deux oreilles. OK, vous pouvez y aller, j'écoute. Je veux que tu interroges Coffin aujourd'hui. Je veux absolument que tu lui fasses signer une déclaration assermentée, veux-tu? Oui, OK. Bon, seulement, bouscule-les pas trop, là. Fais rien que noter les choses qu'il va te dire. OK. Qu'est-ce qui arrive, là? Ça a pas marché avec sa femme? Non, au contraire, ça a très bien été. On a la pompe à essence qu'il a achetée avec le jeune pain. Ah oui? On a un canif qui a appartenu à un des chasseurs. Un canif avec toutes sortes d'instruments. Et puis, on a des jumelles. Les jumelles des chasseurs. Ben, c'est un vrai gros lot. Ouais. Il a dit à sa femme que les Américains y avaient donné ça pour le remercier. Les Américains bien généreux. Oui, en effet, oui. Tu fais ça aujourd'hui, hein? Oui, OK. Quand est-ce qu'on va revenir à Gaspé? Oh, je sais pas trop. On n'a pas dormi de la nuit. À part de ça, il faut qu'on fasse taper la déclaration de Maureen Patterson, qu'on y fasse signer avant de repartir. Mais où est-ce que vous êtes, là? Ah, je suis dans ma chambre d'hôtel. J'attends Marois puis la fille. Oh, à propos, parle donc pas à Coffin de la pompe à essence, du caniche puis des jumelles, veux-tu? J'aimerais ça voir ce que c'est qu'il va dire. Il vous reste plus rien qu'à signer. La déclaration que tu as faite à la vallée il y a trois jours. La reconnais-tu? Yeah. T'as rien à ajouter? I've said all I'm going to say. Oui. Quand t'as acheté la bière à Gaspé le 10 juin, étais-tu seul, mais avec le jeune P? Seul. Payne m'a tendu dehors. T'en as acheté combien? Deux caisses de 12. Cigarette? 24 grosses. Ouais. C'est de la bière, ça, monsieur? Quand t'es parti de Gaspé pour Montréal, t'avais combien d'argent dans tes poches? Entre 50 et 60 piastres. Je l'ai dit à la vallée. 50 puis 60 piastres. Le canif, puis les jumelles, dans ce cas-là, c'est que t'es appris. Quel canif? Quelle jumelle? Tu les as tués, puis tu les as volés sur leur cadavre. C'est pas vrai. En plus, t'as volé leur argent, t'as volé le portefeuille de Jane Payne, t'as pris l'argent, puis t'as jeté le portefeuille dans la rivière. T'as assez fumé. T'as vu le portefeuille quand Payne t'a donné de l'argent. C'est pour ça que tu les as tués. À vous! C'est toi qui les as tués! J'ai rien avoué. J'ai tué personne. As-tu vu comme il tricote des tas? Faudrait bûcher un peu dessus. Ça va faire venir la mémoire. Ce sera pas nécessaire. Il va tout nous raconter comme un bon grand garçon.
Dick Payne gave me the knife. I took the binoculars in the truck. Yeah. Vous l'ai dit. Ils ont attendu une couple d'heures. Ils n'ont pas revenu. J'étais tanné d'attendre. Je me suis payé. Qu'est-ce que t'as pris d'autre? J'ai rien pris d'autre. Menteur, en plus de ça, toi, là. Attends ton tour, la vallée. Comme ça, t'as rien pris d'autre. T'as volé à pompe essence. I forgot. Qu'est-ce que t'as pris d'autre? C'était toi, moi, je parlerais. Qu'est-ce que t'as pris d'autre? Hey, vas-tu faire le voir que je recommence? J'ai rien pris d'autre. J'aurais pu prendre la carabine qu'il y avait dans le camion, mais je l'ai laissé là. Pensez-vous que je l'aurais laissé là si je l'avais tué? Hey, pour peur, il va parler. Coffin, tu commences à me tomber drôlement ses nerfs. Tu vas parler, mon enfant de chienne, c'est moi qui te le dis. Ta femme nous a tout dit, on a toutes les preuves qu'il faut. I wanna go to bed. Si t'as soif, tu peux lécher le plancher. Si tu veux pas être pendu, tu serais mieux de parler. C'est le seul moyen que t'as de faire une moins grosse peine. J'ai plus rien dit. Dis-nous ce que t'as pris d'autre, puis t'iras te coucher après. J'ai plus rien dit. La vallée vient de te dire quelque chose, le Coffin. À ta place, moi, j'y penserais comme il faut. Je vois pas pourquoi tu casses la tête. S'il parle pas ici, il va parler à Québec, y a pas de problème. C'est une cigarette? Non, non, pas de cigarette. Je veux savoir où t'as caché ta carabine. J'avais pas de carabine. Je veux savoir où tu l'as mise. Écoute, Coffin, on va rester ici jusqu'à demain soir s'il le faut, mais tu vas me dire où t'as caché ta carabine puisque t'as pris d'autre. Laissez-moi les dents. Si j'étais toi, je m'arrangerais pas. Pour pas aller à Québec. Pourquoi? À Québec, ça sera pas comme ici. Ils vont prendre tous les moyens qu'il faut. J'ai pas peur. Plus ils vont en faire, moins je vais parler. Le fait que tu les as volés, ça veut pas dire que tu les as tués. J'ai pris aussi une petite valise. Où est-ce qu'elle est? Viens la porter avec moi. Il a menti à propos du canif et des jumelles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui veut dire qu'il ment de A à Z. Pour son histoire de vie et des deux autres Américains. Il veut détourner les soupçons, c'est tout ce qu'il veut. D'après moi, c'est même une preuve de sa culpabilité. Il n'aurait pas inventé cette histoire-là s'il n'avait pas tué les trois chasseurs. Ben, c'est bon, ça. C'est très bon. Pourrait t'en servir au procès. Merci. Il reste à régler la question de l'arme. On ne sait pas avec quelle arme. Coffin arrive à Québec aujourd'hui. Forget va s'en occuper, va le faire parler, c'est pas un problème. Oui? Monsieur le solliciteur général s'en vient. Merci, madame. Si
s'il avoue dans son âme, tout est réglé par devant. Il y a autre chose. Ah. Asseyez-vous. Comment va la couronne? Très bien. Bien, merci. Puis, où est-ce que vous en êtes? On a tout épluché. C'est clair comme de l'eau de roche. Avez-vous fixé la date de l'enquête du coroner? Elle devrait se tenir dans une quinzaine de jours. Il y a une chose qui me tracasse. Qu'est-ce qu'on fait si le jury du coroner ne veut pas porter l'accusation? C'est toujours possible. Avec toutes les preuves qu'a Forgette, ça me surprendrait. Si le jury du coroner ne porte pas l'accusation, on en portera une nous-mêmes. J'ai parlé au premier ministre. Ce serait mieux, bien sûr, que ce soit le jury lui-même qui porte l'accusation. Ça serait normal, non? C'est parfait. Comme procureur de la couronne, ça te va? Non. Je pense que c'est la chose à faire. Les apparences sont contre Coffe. À part de ça, c'est un Anglais, un protestant, un franc-maçon. Il est père d'un enfant illégitime, il boit pas mal. Je suis tout simplement de faire attention dans le choix des jurés, des bons pères de famille. Parfait. Ah oui, autre détail. Personnellement, je préférerais que Coffin ne témoigne pas à l'enquête du coroner. Parce que s'il témoignait, ça pourrait embrouiller les cartes. Il me semble avoir pas mal d'imagination d'après les rapports de Forgette. Aucune objection, et toi? Moi non plus. Ok, entendu. Comme ça, il paraît que le consul américain a appelé le premier ministre. Ah non, c'est fou. C'est à moi qu'il a parlé. Là où le chef a grimpé dans les rideaux, c'est quand le FBI a suggéré de confier l'enquête à la police montée. Je ne peux pas me permettre de te demander ce qu'il voulait. Non, je voulais les renseignements, c'est tout. Les journaux américains en parlent beaucoup, d'après ce qu'on m'a dit. Trois personnes de tuer, c'est jamais rassurant, ni pour les touristes, ni pour les investisseurs. Bah, de toute façon, les pressions, c'est pas si grave que ça. Tant mieux. Je veux bien te voir. Pas trop mal dormi? Oh, bad, thank you. Better than jail. Encore un peu de café, M. Coffin? Oui, s'il vous plaît, madame. Moi aussi, je vais en prendre un peu. Tu me disais que tu avais quelque chose à me demander? J'aimerais voir mon frère, Ronald. Normalement, j'ai pas le droit. Il est dans ma cuisine, mais c'est comme si t'étais en prison. J'ai même dit à Forgette que tu garderais tes menottes toute la nuit. Tu comprends? C'est pas mal difficile pour moi de faire rencontrer ton frère. Vous avez obtenu la permission de Forgette de me garder chez vous au lieu de me mettre aux prisons tracées. Vous êtes bien capable d'arranger une rencontre avec mon frère. Je ne serais pas mon chien une nuit à la prison de Percé. Mes robes et punaises le mangeraient tout rond. C'est vrai. Je ne suis pas encore accusé de quoi que ce soit. Pourquoi tu veux voir ton frère? Je viens de passer deux semaines aux prisons de Québec. Je sais même pas si j'ai un avocat. Je vais y penser. Tu sais, ça risque de me mettre dans des mauvais draps. Déjà, Forgette même pas trop. Tu m'as dit au moins 100 fois que t'avais rien à faire dans la mort des trois Américains. Est-ce que c'est vrai? It's the truth. Dans ce cas-là, tu peux me dire si t'avais une carabine quand t'es allé dans le bois? Parce que j'imagine qu'un gars comme toi aurait une carabine, même si le garde-chasse y avait interdit d'en avoir une.
Dis-moi où t'as mis ta carabine. Je te laisse voir, Ronald. J'avais pas de carabine. Vous laissez voir mon frère, je vous le dis. Je te le promets. J'avais une carabine. Je veux dire que j'ai emprunté une carabine. Je ne la portais pas avec moi. Je la garde à cacher. Pourquoi? Chevreuil, c'est toujours bon, même en dehors de la saison. Où tu l'as mis, cette carabine-là? Je l'ai enveloppée dans un morceau de toile pour l'empêcher de rouiller. I kept it hidden. In a bush near my shack. OK. Faut organiser une rencontre avec Ronald. Thank you. You know, Wilbert, from my point of view, I don't think you're guilty. Il va y avoir tant de monde que ça. Comment ça, tant de monde que ça? Grosse affaire, ça, ce gars. J'attends pas loin de 100 personnes. Tiens, le Bourdon. Viens nous aider, Bourdon. J'ai une bonne nouvelle, capitaine. Coffin va être pendu, je le sais. Recule à la table, elle est trop près des chaises. C'est important. Il n'y a rien de plus important que de préparer la salle pour l'enquête. Coffin avait une carabine. Il vient de me dire où c'est qu'elle est. Ah oui. Je vous dis que Coffin avait une carabine, puis je sais où elle est. Elle est près de son camp. Laissez pas trop d'espace entre les chaises, j'attends beaucoup de monde. Je peux aller la chercher. Je sais où est son camp. Je t'ai demandé quelque chose. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? De nous aider à placer les chaises. Si Coffin avait une carabine. On ira la chercher après l'enquête. L'enquête du coroner passe d'abord. En tout cas, n'est pas me mettre ça sur le dos si la carabine disparaît. Je vous aurais averti. Écoute donc, Bourdon. C'est moi qui le bosse et c'est. Fais donc ce que je te dis. Il me semble préférable de ne pas faire témoigner Coffin. Comme coroner, je trouve quand même qu'on devrait l'interroger. C'est lui le suspect. Écoutez, je peux bien vous le dire. Le solliciteur général et l'assistant du procureur général sont du même avis que moi. Ce sont des avis qui comptent. Je m'en cache pas, je trouve ça regrettable. Très regrettable. Si vous tenez à passer le reste de votre vie comme coroner en Gaspésie, soyez sans crainte, ça va bien aller. Bonjour. 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 Qui c'est? Ménard, un avocat de Québec. L'autre, c'est son secrétaire. She's his mother. Well, you have to go speak with the officer first. Where is he? You wait right here and I'll go speak to him. Marin, je reviens vite. Captain Forger, comment ça se passe? On attend le verdict. Si tu veux. C'est le père de Coffin. Il veut lui parler.
Ouais. Mais reste près d'eux autres, puis essaye d'écouter ce qu'ils disent. Entendu, capitaine. Des gens dans la deuxième rangée. C'est la fille de la femme de paix. Le couple à côté, c'est les parents de John Butler. Ça, responsable sous des preuves circonstancielles. C'est tout ce qu'on a comme preuve, si vous voulez qu'on fasse. Et vous avez quoi? Claims. I want you to look after them. They're damn good claims. Don't worry about a thing. So, how are they treating you? Okay. Not that bad. Your ma's taking it pretty hard. You know how she is. I'll be up in no time. You'll see. Nothing to worry about. Worst part of it is your ma. Anyway, they're not men enough to break me. How's my wife and boy? They're going fine. Well, I've got to be going now. Hey, tell Ma I'll be out in no time to look after my claims. La loi est claire. Ça, messieurs, c'est l'avis de mon savant confrère de la défense. Ce que je tiens à vous dire, moi, c'est que même si le jury du coroner ne porte pas d'accusation, le procureur général, lui, peut toujours en porter une. Ça veut pas ça, nous autres? Maintenant, vous le savez. En plus, je tiens à vous prévenir que si vous ne portez pas d'accusation contre le suspect, le procureur général va en porter une. Autrement dit, ça ne vous servira à rien de ne pas porter d'accusation. C'est pas si simple que ça. J'ai dit ce que j'avais dit. Notre verdict est de tenir Wilbert Coffin criminellement responsable de la mort de Dick Payne en raison des preuves et des pièces à conviction présentées.
aurait été mieux si le juré n'avait pas voulu porter d'accusation. C'est pas grave. Je suis là pour te défendre. De toute façon, ils n'ont pas de preuves. J'ai mis raison. Ils n'ont pas de maudite preuve. Pas de carabine, pas de preuve. J'avais une carabine. C'est vrai, t'avais une carabine? C'est une carabine que j'ai empruntée. Où est-ce qu'elle est? Près de mon camp. Tant que la police ne sait pas, c'est pas grave. Je l'ai dit à Bourdon, au sergent Bourdon. Hein? Tu l'as dit à Bourdon? Il fallait absolument que je voie mon frère. Ce matin, je savais même pas qui j'aurais comme avocat. Le restant du plan. What the hell's wrong? I told you. I didn't kill those men. Quand est-ce que tu l'as dit à Bourdon? Ce matin. Et Fourette. Garde. Est-ce que tu l'as mis exactement? À droite de mon camp. Near the big tree. Éclaire-moi, il y a quelque chose. Là? Ah. Juste un soulier. Il y en a peut-être d'autres qui sont passés avant le jour. Oui, Charles, j'ai pas le temps de discuter. On va être sûr que c'est autour de l'arbre, là. Je l'ai. Si je vais revenir demain. Je pense à l'histoire de la carabine. Ben, tu penses à quoi, au juste? Je suis presque certain que c'est le gros Ménard qui est allé la prendre. Coffin en a parlé à Bourdon. Il a bien pu en parler à Ménard. En tout cas, si c'est pas Ménard, il faut absolument que ce soit quelqu'un de la famille. Ça ressemble plus à Ménard. M'aller lui parler dans le creux de l'oreille au gros Ménard quand je vais être de retour à Québec.
Moi, si j'étais à ta place, j'en parlerais à son secrétaire. Jean-Luc Lamy, il a déjà fait de la prison, ce gars-là. Il va faire dans ses culottes. Ménard aussi. Je pense qu'on a trouvé la solution, Tiga. Ce serait plus délicat avec Ménard. Les avocats, c'est comme les requins, faut les attaquer par derrière. En tout cas, si c'est Ménard, on le tient par les chenolles, puis Calfin aussi. Je pense qu'on va pouvoir retourner à Québec pour suivre notre enquête. Monsieur Lamy, voulez-vous regarder Coffin et nous dire si vous le connaissez? Oui, monsieur. Voulez-vous nous dire si l'an dernier, à l'occasion de l'enquête du coroner et en d'autres circonstances, vous êtes venu à Gaspé ou dans la région de Gaspé au sujet de l'affaire Coffin? Oui, monsieur. Est-ce qu'au cours de vos visites, vous êtes allé dans la forêt? Oui, monsieur. Objection, votre honneur. C'est une question de secret professionnel. Votre honneur, est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous? Oui, maître. Je demanderai au jury de bien vouloir se retirer de la cour. Ça a l'air d'être capable tout seul, je vais aller voir d'autres témoins. Ça peut durer combien de temps, un procès formel? Des semaines, puis des semaines. Tant que ça. Alors, on va mieux de prendre notre mal en patience, puis d'en profiter pour se dégourdir les jambes un peu. Êtes-vous, soit seul ou avec d'autres, êtes-vous allé chercher dans le bois une arme à feu? Non, monsieur, pas à ma connaissance. Le 25 mai 1954, vous rappelez-vous avoir rencontré le détective Forgette et un autre détective à Québec? Oui. N'avez-vous pas déclaré à l'un ou à l'autre, ou aux deux, que vous étiez allé, après l'enquête du coroner, au camp de Coffin avec une autre personne? J'ai jamais déclaré ça. Que la dite carabine, vous l'aviez rapportée, vous et M. Ménard, à Québec? Non, jamais, monsieur. Le témoin de la couronne. Donc, vous vous servez joliment depuis quelque temps. Que vous étiez allé sur le pont de Québec? Non, jamais. Avec M. Ménard? Non. Et que là, la carabine serait disparue dans le fleuve? Jamais, monsieur. Connaissez ça, les cours de justice? Vous avez déjà des antécédents assez lourds, M. Lamy. Le 27 juillet 1953, avec un autre chercheur, j'ai trouvé un portefeuille de cuir brun foncé ou noir au bord de la rivière, dans le coin du camp 24. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à ce portefeuille et nous dire si c'est bien celui que vous avez trouvé ce jour-là? C'est celui-là. Puis-je vous demander s'il y avait encore de l'argent dedans? Pas un sou. Pouvez-vous examiner certains des papiers qui sont là et nous dire à qui ils appartenaient? Tous ces papiers, ou la plupart, je les ai déjà examinés, sont au nom de M. Eugène Payne de la Pennsylvanie. Merci. Ben, j'ai reçu 50 sous pour une bière, 2,5 piastres pour la chambre, 50 sous pour une autre bière et à la fin, 5 piastres parce qu'il avait mouillé son lit. Dans quelle direction est-il allé en partant? Montréal. Maintenant, tout cet argent que vous avez reçu, vous souvenez-vous si c'était de l'argent américain ou canadien? Canadien. Merci, c'est tout. Il avait pris le champ, j'ai sorti avec mon camion. Était-il ivre? Oui, ben, il était un peu chaud. Qu'est-ce qu'il vous a donné? 2 piastres. Quel argent? L'argent, de l'argent américain. Le témoin est à la défense. La défense n'a pas de question. Vous avez réparé les freins de son camion. Vous avez fait le plein. Tout ça a coûté combien?
7-8 piastres. Comment vous a-t-il payé? Un 20 américain. Et il m'a dit de garder le change de 10. Merci. Son camion était dans le fossé. Avec le camion d'un de mes amis, on est sorti de là. Puis j'ai demandé à ma femme puis à ma belle-sœur de ramasser tout ce qui était tombé du camion. Il était ivre? Pas vraiment. Gay. De bonne humeur. Il vous a payé? Il m'a donné 20 piastres, puis il m'a demandé d'y en remettre 10. L'argent de quel pays? Des États-Unis. À la défense. Pas de question. Ben, il a mangé à l'hôtel, puis après qu'il soit parti, j'ai trouvé un billet de 10 piastres sous sa chaise. Ce billet de 10 piastres que vous avez ainsi trouvé, de quelle dénomination était-il? Dénomination? Le pays. Canadien. Il a pris une jeune sur la pousse. Et ensuite? Il a fait faire la barbe et les cheveux. Bon. Alors, qui a payé? Louis. Pour les deux. Et ensuite? Il nous a offert une scotch. Ah. Merci. Un 10 canadien. Un 20 américain. Un 5 américain. Maintenant, au sujet de cette fameuse Jeep dont vous a parlé Coffin, voulez-vous dire à la cour et aux membres du jury si vous avez vu quelques traces? Non, monsieur. Pas de témoin. Est-ce que c'est possible qu'une Jeep ait circulé dans cet endroit-là, sans chaîne, et qu'elle n'ait pas laissé de traces? Ou encore qu'on aurait pu effacer les traces? Bah, écoutez, c'est difficile à répondre. Est-ce que c'est possible? C'est peut-être possible. Merci, c'est tout. Votre Seigneurie. Messieurs les jurés. Je termine. En vous rappelant que c'est là le crime le plus abominable de l'histoire de l'humanité. Hey, vous en faites un maudit vacarme, mais vous allez tout démolir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bien. Petite madame Marois. Bonsoir. Arrêtez, non. Hé, j'espère que vous n'avez pas tout vu. Ben, non. Tiens, patron, on t'a allé une petite fleur ce soir. Madame Séverine. C'est pas la plus jolie, mais c'est celle que je préfère. Oh, c'est la veuve la plus forte qu'on m'a. Salut. Salut. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Parle. Je t'ai pas fait venir de Québec pour rien. Merci. Pour moi, ça sera pas un gros risque de ne pas faire témoigner Coffin. Un bien gros risque. Les risques vont être bien plus grands si on le fait témoigner. Tu comprends? Le plus dangereux là-dedans, c'est la déposition qu'il a faite à la vallée. Si on le fait témoigner, la couronne doit trouver le moyen de déterrer cette déposition-là, mais ça va démolir Coffin d'un coup sec. La couronne ne demande pas mieux. Écoute bien ça. Premièrement, Coffin a dit à la vallée qu'il avait reçu seulement 40 piastres de paye. Hein? Eux autres se sont arrangés pour prouver qu'il avait aussi en sa possession un canif, la paire de jumelles, puis la pompe à essence. Ça fait qu'il conclut qu'il a volé, donc qu'il a tué par-dessus le marché. Deuxièmement, il a dit à la vallée que quand il est parti de Gaspé pour venir à Montréal, il avait à peu près 50-60 piastres. Il a dépensé à peu près 3 fois plus. Il a toujours payé avec l'argent américain. Là encore, ils se sont arrangés pour prouver qu'il avait dépensé plus que ça. Donc, qu'il avait volé.
et paye. Autrement dit, menteur puis voleur par-dessus le marché. C'est ça que la couronne va essayer de plaider, ouais. T'as pas de témoin oculaire. T'as pas l'arme du crime. Tu le dis toi-même. La couronne a prouvé que le coffin, il y avait le canif, puis la pompe à essence, puis les jumelles. Ça veut dire qu'ils ont prouvé qu'il y avait en sa possession des objets récemment volés. Puis l'argent, tu le sais comme moi, avec les touristes qui, en Gaspésie, ont autant d'argent américain que canadien qui circule. Non, non, en droit, c'est à coffin à s'expliquer. Puis s'il s'explique pas, ça laisse entendre qu'il a tué aussi. Non, il faut au moins présenter une preuve de caractère, quelque chose, montrer que Coffin, c'est ni un voleur, ni un meurtrier. Il y a des jurés qui le connaissent, ils vont l'écouter. C'est pour ça qu'il faut le faire témoigner. Non. Reste convaincu que c'est trop dangereux. Menteur puis voleur, c'est trop. Vraiment trop. Des fois, je me demande si tu n'en veux pas personnellement à Coffin. Voyons, là. Quoi fait? Ben non. Il m'a même l'air d'être un bon gars. Tu le lâcheras pas tant que tu l'auras pas eu. Pourquoi je le lâcherais? Si tu te trompais, c'était pas lui. Hey, ça fait 30 ans que je suis dans la police. Après 30 ans, tu te trompes plus. Ouais, y a des jours où je me demande si j'ai pas envie de tout lâcher ça pour faire autre chose. C'est un beau métier, police. À part de ça, qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'autre? Ah, détends-toi donc. Demain, la parole est à la défense. Puis, quand c'était vacances? Oh, je trouve ça magnifique, de toute beauté. Puis, tu sais, dans le fond, s'il n'y avait pas Coffin, j'aurais jamais vu la Gaspésie. Bon, tu sais, moi, je m'en serais bien passé. L'eau est tellement froid. Moi, tu comprends? La couronne a prouvé que Coffin avait dans sa possession des objets qui ont appartenu aux Américains. Mais elle n'a pas prouvé qu'il y avait eu vol. Elle a déduit qu'il y avait eu vol. Prouver puis déduire, c'est pas la même chose. Pense aux jurés, Ben. Les jurés font pas ces nuances-là. Le mieux, ce serait de ne pas présenter de défense du tout. Ce qui veut dire qu'on ferait nos plaidoiries en dernier, après la couronne. Puis c'est à ce moment-là qu'on pourrait expliquer aux jurés, hein, que la couronne n'a pas prouvé qu'il y a eu vol. Mais qu'elle l'a déduit. Le fardeau de la preuve, c'est l'affaire de la couronne, OK. Sauf que si on fait pas témoigner de Coffin, parce qu'on admet qu'il a volé. T'oublies encore le témoignage de la vallée, là. Mais écoute-moi donc, Nenu. Tu me demandes de venir ici comme avocat conseil, ce que je fais. Tu me demandes de vérifier toute la jurisprudence, ce que je fais. Je te dis que c'est clair. Quelqu'un qui est pris en possession d'objets volés au même moment où un autre crime est commis. Ça, c'est le cas de Coffin. Cette personne-là, il faut qu'elle s'explique. Il faut qu'elle explique la possession des objets volés. Parce que la cour a le droit de se demander si c'est pas la même personne qui a commis les deux crimes. C'est ça que Dion va dire aux jurés. Les jurés vont dire, ah, Coffin ne veut pas témoigner, donc il a volé, donc il a assassiné. Moi, je dis, the defense rests. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la défense ne juge pas utile de présenter une défense. Ça laisse entendre que la couronne n'a pas de preuves. Donc, que la défense ne juge pas nécessaire de présenter une défense. Les jurés vont comprendre ça, ils sont assez intelligents. Ben voyons donc, Ben, il y a deux jours, t'avais 82 témoins. Tu l'as même dit aux journalistes. Il faudrait au moins faire signifier les 60 assignations qui sont prêtes pour faire témoigner ce monde-là. Ah, je vais penser à ça cette nuit. C'est ta cause. C'est pas la mienne. Mesdames et messieurs,
Je lève mon verre à la santé de notre futur pendu. Bravo! Bravo, 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 bravo,
ainsi que la certitude que tout a été mis en œuvre pour que vous ayez un procès juste et honnête. Vos avocats ont mis leur talent à votre défense, ils y ont mis tout leur cœur et toute leur âme. Après avoir pris connaissance des preuves, le jury vient de rendre un verdict de culpabilité. Je n'ai pas le choix, la loi m'oblige à prononcer la sentence suivante. Wilbert Coffin, vous serez emprisonné à l'endroit choisi par les autorités de cette province jusqu'au 26 novembre 1954. Date à laquelle vous êtes conduit à la potence et pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de vous. La cour est ajournée maintenant, mais avant de l'ajourner, messieurs les jurés, la cour doit dire qu'elle endosse votre verdict. On ne félicite pas d'un verdict. Et je crois que vous avez donné l'exemple dans la Gaspésie d'hommes courageux, d'hommes consciencieux et d'hommes qui sont capables de faire face à un devoir à accomplir. Je crois que vous avez rendu service à votre comté et à votre pays. Et je vous en remercie. Je te jure, je les ai volés, c'est vrai. But I didn't steal their money. C'est mon argent que j'ai dépensé. Et je peux prouver ça n'importe quand. Je suis pas un criminel. Si j'étais un criminel, comme ils disent, j'aurais simplement à te descendre puis à prendre ton taxi. Hey, je t'ai rien fait, moi, tu le sais. Je pourrais même t'aider. J'en veux à personne. Je veux simplement qu'on sache que je suis pas un criminel. Prends mon taxi, si tu veux. Je vais te donner de l'argent. Écoute, je t'ai déjà fait perdre assez de temps. Je vais descendre. Oh, si tu vas aller? Je vais me cacher dans le bois. T'es fou. Tu vas risquer de mourir de faim. 12 250, I won't starve. I know the bush. J'ai à manger. La police veut déjà être à des trousses. On tire à la vue. Écoute. Je sais plus qu'est-ce que je veux. Je sais plus. Écoute, écoute. Il y a un train de marchandises qui passe proche d'ici. Ça va à Halifax. Tu vas essayer de sauter dedans. 24 heures. Tu connais-tu quelqu'un, Kevin? Mes avocats. Qui s'appelle? Alain Courtemanche et Ben Ménard. On va leur demander conseil. 125, 4e avenue. C'est mieux que moi. Courtemanche n'est pas à Québec. Il est où? Je sais pas son adresse. Oh. Ménard, il est connu à Québec. On va te le trouver. 54 appels, 54 appels. Oui, 54. C'est Fournier. Peux-tu me rendre un petit service? C'est pas trop long. Écoute, j'ai besoin de l'adresse d'un avocat. Regarde dans le livre. C'est quoi son nom? Ménard. Ben Ménard. Ça doit être à Sillery ou à Sainte-Foy. Je te rappelle. Tu vas aller frapper à la porte? C'était mieux ça. Peut-être, oui. Merci. 54. 54? C'est 264, Sillery. 264. Merci, hein? Roger. Regarde. Prends-le. Il est en savon. C'est moi qui l'ai fait. C'est incroyable. J'étais sûr que c'était un vrai. C'est bien fait en mots, aussi. Trois voitures, madame Mitterrand. J'avais tout le temps qu'il fallait. Bouge pas, là.
parle d'un air pour déranger le monde. Qu'est-ce que tu veux? Chauffeur de taxi. J'ai un de vos clients dans mon char. Wilbur Coffin. Hein? Il est allé de prison cette nuit. Hey, c'est une farce. Et tu sous? Ce que je vous dis, c'est lui. Où est-ce qu'il est? Dans mon char, à côté. Oh, ben, sacrement. Il m'a dit que c'était lui. Ça se peut pas. Je vous disais. Qu'est-ce qui t'a pris? I broke out of prison. And they know what I just heard on the radio. Il faut que tu retournes à la prison. Écoute, je vais être pendu dans deux semaines. Je voudrais bien vous voir à ma place. Le premier policier qui va le voir va te descendre comme un chien. C'est ça que j'ai dit? Je vais disparaître dans le bois. Écoute, là. Tous les chauffeurs, la police nous informe que Wilbur Coffin s'est évadé de la prison de Québec. Il mesure 5 pieds 7 pouces, pèse 160 livres. Il porte un pantalon gris et une chemise grise. Coffin est armé et considéré comme très dangereux. Vous prévenez la police si vous l'apercevez. Roger. Écoutez comme il faut. What bloody difference does it make? Si je retourne en prison, on va me pendre. Dans 5 minutes, la ville va grouiller de police. Tu vas être plus en danger dans les rues qu'en prison. Écoute, t'es pas encore mort. Ta seule chance d'obtenir une commutation de peine ou un sursis, c'est de retourner en prison. La cour du banc de la Reine m'a refusé l'appel. Courtement, je m'en dis que la cour suprême vient de me refuser la même chose, c'est fini. Il y a d'autres cours. Courtement, je peux demander à la cour suprême de revoir sa décision. C'est pas possible. Oui, c'est possible, parce qu'il y a seulement un juge qui s'est prononcé. Mademoiselle Roberge, manège militaire. Si tu veux prouver ton innocence... I am innocent. Si tu veux prouver ton innocence, il faut que tu retournes en prison. Tu comprends? Un coupable ne retournerait pas en prison. C'est vrai, ça. Tu m'écoutes, là? Un coupable ne retournerait jamais en prison. Vous pensez pour vrai que je devrais me rendre? Je pense pas. Je suis sûr. Tu devrais écouter ton avocat. Ça va être plus facile pour Courtemanche de convaincre le ministre de la Justice à Ottawa d'obtenir un nouveau procès. Vous êtes sûr? Oui, allez. Baisse-toi. La police peut tirer, c'est dangereux. This is my best claim right here. In what way? By the samples I took to Val-d'Or. They came from that claim. Does that mean I'm speaking to a rich man? Not yet, Reverend. We have to find out if there's enough tonnage. Wish you luck. Now, hopefully my son won't have to lead the life I led. Hasn't been that bad. What's the news of my marriage? Your lawyer, Courtemanche, has every hope that the Governor General will come through. They're just waiting for word from Premier Duplessis. I don't see how he can refuse us. I saw Maureen and your son. How are they? Oh, they're fine. She's a brave woman. She refuses to give up hope. One can't give up hope, Reverend. Moi, pour la chasse aux chevaux, toujours été bien chanceux dans le coin de Nominingue. Ah oui? Ouais. T'es déjà allé à l'ours? Non, jamais.
bourse, c'est le Gaspésie. Ça, ça fait longtemps que je pense. As-tu un crayon? Oui. Va te marquer les meilleures places. Prends pas de guide. Non? C'est du gaspillage. Le Gaspésie, c'est plein d'ours. Surtout ici. Là. Et là. Merci. J'ai une mauvaise nouvelle. Dites-moi le. Je vais reposer ma serviette. C'est à propos de ton mariage. Il est probable que tu pourras pas te marier. Je vais appeler le premier ministre ce soir, mais pour moi, ça ne change rien. J'ai tout essayé, Bert. Je te jure, j'ai tout essayé. Qu'il y a des recommandations que tu voudrais faire. Je vous demanderai, M. Courtemanche, si c'est possible, de vous occuper de Maureen, mon fils, et aussi mes parents. Ah oui, je vais m'en occuper. Y a-t-il d'autres choses? Non. Tu je reviens à 11h? Ah, avant qu'il vienne te chercher. Reverend Neeson and his friend are going to come and keep you company. Vous m'avez toujours fait confiance. Vous m'avez toujours cru. Je veux que vous gardiez cette impression-là.
Don't come back. Merci pour tout. Jesus Christ, which was shed for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. The body of our Lord Jesus Christ, which was given for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. Christ, which was shed for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. Thank you.